Artisans appelés JAT, c'est une journée très importante pour nous les artisans. C'est en ce moment nous manifestons notre joie. C'est en ce moment nous donnons aussi à l'autorité nos doléances, ce dont nous avons besoin pour l'évolution de l'artisanat au Togo. C'est en ce jour que nous manifestons comme les fonctionnaires manifestent la journée du 1er mai. Donc journée d'artisans, je peux le dire, c'est notre fête principale. En tant qu'artisan, que tu fais l'art ou bien tu fais le travail de main. Comme vous venez de le voir, on a beaucoup d'activités. On vient d'écouler l'activité de carnaval. Maintenant, nous sommes sur le site qu'on a créé pour faire expo, c'est-à-dire que sous forme de mini-foire. En ce moment, tout le monde qui passe, il va voir ce que l'artisan est capable de faire. Ensuite de ça, on a des jeux. On a des jeux de football, on a des jeux de Ludo, plusieurs jeux à notre sainte. On a même passé la journée de salubrité et de reboisement. Donc, on a tant d'activités. Nous saluons l'idée de chef d'État qui prône pour l'évolution de l'artisanat. Et nous demandons aussi qu'on puisse écouter les artisans dans nos doléances que nous aurons à les emporter. C'est très important parce que nous sommes sur le terrain, nous savons ce dont nous manquons et ce dont nous pouvons faire dans l'avenir. Et surtout les formations, nous demandons beaucoup, plus les partenariats. Je salue les autorités de notre localité. J'ai nommé le préfet de Aguenivé, le préfet de la préfecture du Golfe et autres. Je salue aussi les maires d'Aguenivé 1 et 3. Ainsi, en particulier, il y a une dame qui a écouté les pleurs de ses enfants, que j'ai nommée Madame Petitco. Tous, nous disons merci à eux et nous avons eu l'expérience que l'année passée, la manière dont nous avons organisé
la fête de GAT, ce n'est même pas la même chose. Cette année, c'est encore plus éclat. Et nous disons merci à Dieu parce que cette initiative nous donne beaucoup d'espoir. Merci. Le président de ce CAM5 vient à vous dire merci. Il y a 7 plus, mais ils sont avec lui. Il vous dit merci et que ce n'est pas fini. Il a vu comment vous avez dépensé votre énergie. Vous vous êtes mobilisé massivement pour sortir ce jour-ci. Il tient compte et que vous aurez cette nouvelle dans un bref délai. Continuez la fête. Ce n'est pas la fin. Nous sommes là jusqu'à 21h. Et vous aurez des nouvelles. Merci beaucoup et on est ensemble. Merci. Thank you.
Thank you.
I'm gonna go to the hospital.